De se présenter soi-même, mais on va essayer. Donc, comme vous venez de le dire, je suis enseignante-chercheure en sociologie à l'Université virtuelle du Sénégal. Et dans notre université, les enseignants ont d'autres responsabilités, et la mienne, c'est aussi d'être chef de division de la recherche, de la valorisation et de l'innovation.
Et c'est dans ce cadre que j'accompagne ce festival pour la deuxième fois avec l'UBS et puis et les étudiants qui ont présenté les expositions devant que vous avez pu voir et sur la plateforme. Merci. Merci. Bonjour. Je suis Madame Baye Salma Silla. Je suis très honorée aujourd'hui d'être ici et de participer à ce. Je pense qu'il faut être à une certaine distance. Et de participer à ce festival Oubil Science. Comme Dr Khadi l'a dit, je suis astrophysicienne et je prépare mon doctorat à l'Institut de technologie nucléaire appliquée, Université Cheikh Anta Diop. Et je suis également la coordonnatrice nationale des programmes de sensibilisation en astronomie du Bureau astronomique international. Je suis également membre de l'Organisation pour les femmes en sciences pour les pays en voie de développement qui est basée en Italie. Et en ce qui me concerne, dans ma thématique de recherche, je m'intéresse à ce qu'on appelle les flashs d'impact et les flashs d'impact particulièrement sur la planète Jupiter. Donc pourquoi faire cette étude? On fait cette étude pour pouvoir dater ce qu'on appelle l'âge du système solaire externe. Parce qu'on a le système solaire interne, on a aussi le système solaire externe. Et avec le système solaire interne, grâce à la mission Apollo qui s'est passée en 1969, donc on a pu avoir pas mal de données qui ont permis d'avancer sur les notions de datation en ce qui concerne le système solaire interne. Donc, il faut faire la même chose pour le système solaire externe. Voilà. Bon, merci Khadi. Bonjour tout le monde. En fait, moi je vous présente, je suis Madame Badiane Bodiso. Je suis la directrice de l'Institut Santé Service. L'Institut Santé Service est un établissement d'enseignement supérieur professionnel qui forme des biologistes et des paramédicaux. Voilà, qui forme des biologistes et des paramédicaux. Donc, je suis très heureuse de participer à ce festival, à ce panel. Et bon, je pense que la thématique de ce panel est très intéressante parce que nous voyons que les filles, le plus souvent, ne sont pas intéressées par les sciences. Et pour développer un pays, c'est la science qui fait le développement du pays. Voilà. Je vais rebondir sur ce que Mme Badiane Kaouissa a dit. Donc, le fait que dans le milieu scientifique, on sait qu'on fait partie d'une minorité, souvent au niveau des laboratoires. Là, on est une minorité. Donc, maintenant, la question que je vais poser à toutes les panélistes, c'est que, selon vous, qu'est-ce qui justifie l'absence des femmes dans le domaine scientifique et technologique? Merci beaucoup Khadi pour cette question. Donc je voudrais quand même préciser quelque chose avant de répondre. C'est que j'ai en fait eu un baccalauréat scientifique et j'ai choisi les sciences sociales. Voilà, je me souviens même que j'ai été orientée en physique et chimie. Donc il fallait être bon élève et réussir. Donc j'ai fait ça. Ensuite, quand on m'a orientée physique et chimie, je me suis posé la question. Mais j'aime beaucoup les sciences, notamment l'astrophysique. Et j'ai continué à l'aimer. En sociologie, on avait une unité d'ouverture, mais j'avais choisi l'astronomie. Et c'était le directeur de la faculté qui nous donnait le cours d'ailleurs. Et il me prêtait de gros livres parce que j'étais très aimée. Mais voilà, en fait, mais c'est quand même mieux que ça se passe comme ça. De choisir après d'avoir, je sais dire, choix. Mais que les femmes soient absentes, je pense quand même, c'est parce que, en tout cas, si je prends notre contexte, c'est souvent qu'on ne leur
Si je prends notre contexte, c'est souvent qu'on ne leur laisse pas totalement les possibilités. Quand j'essaie de coacher en leadership féminin les filles, je leur dis il faut vraiment négocier votre temps de travail universitaire, scolaire. Parce que, effectivement, quand on est enfant, on n'a pas beaucoup de distinctions. Mais plus les garçons et les filles grandissent, plus on les établit dans des rôles. Et les rôles qu'on a donnés aux femmes ne leur laissent pas souvent le temps de se consacrer aux études. Mais voilà, et plus elles grandissent, et plus c'est comme ça. Donc, on voit des élèves qui sont très bons élèves, qui peuvent s'intéresser à tout, mais même ici, mon bureau, je suis chef de direction de la recherche à la Guérie. À côté, il y a la scolarité. Une étudiante qui est venue dire que voilà, elle est femme et que ça risque de prendre du temps ou de prendre beaucoup de temps, et que ça donne plutôt quelque chose qui prendrait moins de temps. Et c'est vrai que plus on avance, plus ça demande un investissement. Est-ce que la famille est prête à la laisser? Et ça sent à tous les niveaux, les concours également. On sent un concours, vous savez, qu'il ne suffit pas d'avoir la moyenne ou d'être bon. Il faut être parmi les meilleurs et donc il faut vraiment travailler beaucoup. Et donc nous aussi, on a eu pas mal d'étudiants qui ont eu des concours. On a eu des filles, mais on a eu beaucoup plus, on peut dire après c'est à 99%, de garçons parce qu'ils ont plus le temps, on leur laisse, pour se consacrer qu'à ça. Alors que femmes, il y a même des professeurs qui disent qu'ils vont peut-être plus prendre de femmes comme doctorants parce qu'elles prennent beaucoup de temps pendant leur thèse. Je vais m'arrêter là et ça. Ok, merci. Donc j'aborde dans le même sens que Dr. Kassama. Oui, effectivement, dans l'écosystème scientifique, les femmes sont minoritaires. Donc, pourquoi les femmes sont minoritaires? Moi, je dirais pourquoi elles sont minoritaires, parce qu'il y a un manque de programmes qui ciblent les femmes. Donc, pour avoir plus de femmes en sciences, je pense qu'il faut des programmes qui ciblent les femmes, des programmes de subvention. Et dans ces programmes de subvention qui ciblent les femmes également, il faut prendre la femme dans la globalité, comme Axel a dit tout à l'heure, parce que la femme, c'est avant une épouse, c'est avant une mère. Donc par exemple, si on offre une bourse de mobilité à une femme, il faut aussi penser à des facilités pour sa famille. Si la femme veut se déplacer avec un membre de sa famille, donc il faut vraiment des facilités. Et le deuxième point, c'est quoi? Je pense aussi qu'il y a un manque de modèles. Donc il nous faut des modèles pour motiver la jeune génération. Donc tout à l'heure, je disais qu'il y a la mission Apollo qui a permis d'atterrir pour la première fois sur la Lune. Mais pour cette mission Apollo, il y a une femme qui est décédée récemment, Katherine Johnson. Donc cette femme a beaucoup participé pour la réussite de cette mission. Donc il nous faut ces modèles, et ces modèles-là, il faut qu'on les valorise, qu'on ait des espaces pour exposer ces modèles, pour dire à la jeune génération que c'est possible que des femmes puissent réussir en sciences. Il faut juste qu'on mette les moyens qu'il faut et qu'il y ait aussi des espaces d'échange entre les femmes pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et voilà. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que dans le domaine de la santé, je pense que là, maintenant, les femmes ont commencé à envoyer ce domaine-là. Nous avons de plus en plus de professeurs, de docteurs, de doctoresses qui sont dans le milieu. Mais comme je dis, vous savez, il faut savoir arracher
cette place. Parce que on a toujours pensé que seuls les hommes étaient capables de réussir en science. C'est vrai que nous avons beaucoup de contraintes, des contraintes sociaux, nous avons beaucoup de contraintes, mais socioculturel en fait. Mais il faut qu'on, en fait, ce que je dis moi d'habitude, et ce que je dis souvent à aux mamies de mes élèves, parce que j'ai beaucoup de femmes dans mon école, je leur dis, écoutez, il faut que vous laissiez à vos femmes le temps de s'épanouir, vous leur laissez un peu de temps pour partager le travail, pour partager ce qui se passe à la maison. Comme ça, les femmes, elles ont le temps de se consacrer à leur étude. Parce que si une personne réussit, elle s'épanouit. Et c'est pas tout ce temps-là. C'est très important dans un milieu. Donc moi, je pense qu'il faut que les femmes aient beaucoup plus de courage pour vraiment rentrer dans la science. Les trois ont plus ou moins parlé des facteurs socioculturels que les femmes endurent. Une femme en général, ça a moins de temps qu'un homme, du fait que, comme par exemple, le fait qu'il y ait des travaux de ménage, etc., qui pourraient prendre soin de la famille. Donc la question que je vais vous poser par rapport à ça, c'est la complexité de l'univers de la science et le fait de faire des études poussées ne pose-t-il pas un challenge au Sénégal et surtout en prenant en compte les pressions sociales venant de la culture sénégalaise telles que le mariage, la vie de famille, le rôle de mère. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci beaucoup, Khadi. Oui, ça demande. Je crois que ça demande beaucoup plus à une femme qui est plus à tous les niveaux. Même avant de rentrer, ce qu'on disait comme tout à l'heure, comment s'organiser sans se faire indexer du doigt, hein, c'est beaucoup plus complexe ici. Quand une femme va essayer, par exemple, de prendre sa place, dans toutes les sociétés, c'est complexe. Hein. Nous, en sociologie, on a très bien vu que, par exemple, un groupe d'enseignants-chercheurs, par exemple, ils sont égaux, mais vraiment, jusqu'à ce qui est le bébé. À partir du moment où il y a un bébé, la femme reste à la maison et commence à prendre beaucoup plus. Je suis très heureuse de vous entendre parler de ces choses, parce que même je crois qu'on m'a un peu bridé que je puisse un peu plus les mots. Mais je suis heureuse de vous entendre dire ce que vous avez dit tout à l'heure et que ça ne soit pas sorti de ma bouche à moi. Mais une fois qu'elle reste en congé maternité, elle commence à faire un peu plus à la maison. Et donc l'homme commence à lui laisser. Et après, pour inverser, c'est tout un problème. Et pendant ce temps, l'homme va gagner des grades, avancer s'il faut. Parce que, effectivement, c'est un monde très concurrentiel. Pour devenir un directeur, pour avoir des grades, ensuite, il faut beaucoup travailler. Pendant ce temps, l'homme continue et donc va devancer un tout petit peu, et ce qui va justifier que ça soit toujours la femme qui en fasse plus que. Voilà. Je veux dire que même quand ils sont très très égaux, arrivé à un moment, il peut y avoir une différence qui est liée justement aux travaux domestiques. Pas à prolonger, j'ai d'autres choses, mais je vais laisser mes collègues en parler aussi. Ok, merci. Je dirais qu'il y a la pression sociale. Parce que quand on regarde, maintenant de plus en plus, il y a les femmes qui s'inscrivent à l'université. Mais pourquoi les femmes n'atteignent pas les plus hauts niveaux pour faire la recherche? C'est la pression sociale. Et cette pression sociale se fait sentir partout. J'aime donner des exemples. Donc, je vais citer une autre astrophysicienne américaine du nom de Vera Rubin, qui a beaucoup contribué à la recherche sur l'expansion de l'univers ou même sur l'existence de la matière noire. Donc elle, à un moment, elle voulait participer à un séminaire.
Et quand elle voulait participer à un séminaire, elle n'avait pas les possibilités. Pourquoi elle n'avait pas les possibilités? Parce qu'en ce moment-là, pour ces séminaires-là, les femmes qui sont mariées ne devaient pas assister. Donc, vous voyez la pression sociale. Donc, elle, non seulement elle était mariée, mais elle était aussi mère de 4 enfants. Donc, durant toute sa carrière, donc, elle a dû se battre pour s'imposer. Même s'il y a la pression sociale, il faut se dire qu'il y a des possibilités. Il faut se battre. Il faut se battre et savoir que si on veut aller loin, il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des obstacles. Donc, elle, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a fini par faire une très brillante carrière scientifique. Donc, elle a eu pas mal de distinctions, même si elle n'a pas eu de prix Nobel. Oui. Donc, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est-à-dire, si on se rappelle de l'œuvre de Maria Mbadi Longlet, on y voit là cette difficulté-là, que la femme qui travaille a des problèmes dans son couple, parce qu'elle va travailler, mais en même temps, elle s'occupe de sa famille. Et ça, cette pression-là, elle est difficile, comme vous l'avez dit tout de suite. Il y a la maternité, il y a les congés de maternité. Et à ce moment-là, l'homme s'envole et la femme, elle reste à la maison parce qu'elle est obligée de gérer tout ce qui est social, toute la famille. Et comme je dis, il faut qu'il puisse y avoir un partage avec l'homme. C'est-à-dire le partage. Parce que si nous voyons bien, les gens qui réussissent en Europe, les femmes qui réussissent, mais c'est parce qu'il y a un partage. Le mari, il partage toujours avec la femme. Je veux dire, il lui laisse le temps de s'épanouir, il lui laisse le temps d'évoluer. Et les tâches ménagères, comme on l'appelle, c'est partagé. Et je pense que cette mentalité-là, je ne dis pas que nous devons nous faire la même chose que ce qui se passe en Europe, mais cette mentalité pourrait peut-être aider les hommes. Je veux dire, regardez un peu, écoutez-moi, tu peux aller dans un ménage, souvent la femme, elle est beaucoup plus déplorée que le monsieur, mais il y a des problèmes parce qu'au bout du temps, si l'homme n'est pas compréhensif, il y a un moment où la femme sort, elle abandonne son boulot, ou bien elle est obligée de rester à la maison. Et ça, c'est pas bien parce que, comme je disais tout à l'heure, l'épanouissement d'une personne, franchement, c'est de faire ce que tu veux faire et d'arriver là où tu dois arriver. Et ça, ça permet vraiment d'avoir un ménage qui est stable, solide, et ça permet à la personne de s'épanouir. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, l'objectif de ce panel, c'est que s'il y a une petite fille qui nous regarde ou une jeune fille, qu'à travers les exemples qu'elle voit ici, elle pourra peut-être éventuellement s'intéresser à avoir une carrière dans le domaine de scientifique. Donc là, déjà avec nous, donc cette question sera plus dirigée par rapport à Salma. Donc, et ce qu'on entend chez les jeunes filles, hein, c'est comme par exemple Salma, elle connaît la première doctorante, comme vous avez dit, elle a parlé de Jupiter, du système solaire, etc., donc en astrologie. Donc ici au Sénégal, si on parle de l'astrophysique ou à une jeune fille ou des marketing, donc souvent on entend souvent des choses comme ça pendant les filles. Il y en a une qui me regarde, donc qui sait que c'est quelque chose qui est souvent dit par les filles. Donc maintenant, ce que je voudrais poser à Salma, c'est comment, par exemple, expliquer l'astrophysique à une jeune fille ou une femme de telle sorte que, à ce qu'elle s'y intéresse pas. C'est une question très intéressante. Donc, il peut y avoir plusieurs axes de réponse, mais je vais aller beaucoup plus simple. Donc, je dirais, on connaît plus le soleil. Et l'astrophysique nous permet de comprendre que notre étoile, c'est le soleil. Et que nous avons une place privilégiée. Pourquoi une place privilégiée?
Parce que c'est seulement sur notre planète où il y a possibilité de vivre. Et je lui dirais également, est-ce qu'elle a envie de voyager vers l'espace, d'aller un jour sur la Lune? Donc si elle va aller un jour sur la Lune, donc ce qu'il faut choisir, c'est l'astrophysique. Donc l'astrophysique nous permet de faire des voyages hors de la Terre, en quelque sorte. Et je lui dirais aussi que grâce à l'astrophysique, on pourrait trouver la réponse à la question suivante. Est-ce que nous sommes seuls? Est-ce que les extraterrestres existent? Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question, on se pose toute cette question pour savoir si on est seul dans l'univers. Maintenant, la question que je vais poser, c'est par rapport aussi au rôle de leadership, comme ici on a Mme Clarisse Obadian, qui est directrice de l'Institut Santé Service et qui est un institut qui est l'une des premières universités de santé au Sénégal, créée en 1987 par son père, le docteur Dabla Sow et M. Hassan Diaye. Donc la question que je vais lui poser, c'est qu'en tant que femme, donc en étant dans un rôle de leadership, comment avez-vous fait pour diriger cet institut en tant que femme toutes ces années? Quels sont les challenges que vous avez eu aussi? Merci Hadi. Oui. Donc voilà, moi, à l'Institut, je ne suis pas une directrice comme ça. J'ai commencé par le bas. C'est-à-dire que j'étais à Ziguinchor. On a ouvert l'Institut Ziguinchor. Je suis allée à Ziguinchor et j'avais une dame que tout le monde connaissait, je pense. Si vous ne connaissez pas, ils ont entendu. J'étais avec Mme Thérèse Kim, qui est ministre de la Santé. On a ouvert l'Institut de Ziguinchor. Donc à Ziguinchor, je suis restée 3 ans là-bas, j'étais avec elle. Et j'ai beaucoup appris avec elle. Donc au bout de 3 ans, je suis revenue sur Dakar. J'ai retrouvé mon père, donc le docteur d'Amazon, et ses collaborateurs. Avec eux aussi, j'ai bien appris. J'ai beaucoup appris avec le personnel de l'Institut de Santé Service. Après, au décès de mon papa, il y a eu mes 2 frères qui sont venus, Ousmane Lousson et Magadlo aussi, qui sont dirigés. Avec eux aussi, j'ai eu l'expérience. Et là, maintenant, je suis la directrice. Et après avoir été à l'Institut, avoir travaillé avec tout un personnel, je travaille avec des gens qui sont là-bas depuis 1987. Donc, ça m'a un peu facilité les choses. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis directrice. Mais, comme je dis, bon. Vous savez, une femme dans un service, c'est pas trop facile. Parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas que les femmes les dirigent. Il y a, quand on les dirige, les ressources humaines, c'est pas évident. Chacun vient avec ses habitudes. Mais bon, ça va. Et ma chance, c'est que j'ai beaucoup de femmes. Dans mon personnel, j'ai plus de femmes que d'hommes. Donc ça va, ça passe. Et bon. Nos challenges, c'est vraiment rester leader comme nous le sommes depuis longtemps. Et là, Dieu a fait que nous avons été la première école à avoir l'habilitation de l'enseignement supérieur par rapport à toutes les écoles de santé qu'il y a eu. Nous avons pu accréditer nos 3 diplômes, ce que tout le monde cherche. Donc, notre challenge, c'est vraiment d'être leader et de promouvoir la qualité. Et que quand nous sortons nos produits, que les gens n'aient pas à se plaindre dans les hôpitaux à dire « Ah, les infirmières ne sont pas bien. » Non, nous essayons de former vraiment un personnel de qualité. Un personnel qui, quand ils sont dans des services, on puisse les reconnaître dans leur travail. Voilà. Je suis contente qu'elle ait mentionné enseignement supérieur parce que ça nous permet de faire la transition avec le docteur Absagasama. Donc, elle qui est enseignante-chercheur, et le monde académique est très compliqué en tous les cas. Donc, super compliqué. Voilà, donc la question que je vais lui poser déjà, c'est que comment faire de telle sorte, comment faire venir plus de femmes dans le monde académique? Et aussi, comment faire, je pense que cette question n'est pas posée souvent, comment faire de telle sorte qu'elle y reste? Donc, voilà, donc, cette question, c'est pour vous. Merci, Hadi.
femme. Mm-hmm. Et Madame Badiane l'a souligné tout à l'heure, mm-hmm. en disant que les hommes n'aiment pas être commandés par les femmes. Il y a des stéréotypes, en fait, il y a des clichés dans les têtes. Un seul exemple, je reste dans mon bureau, c'est pour ça que j'ai beaucoup profité du travail à distance. Mais parfois, je suis concentrée à travailler, il y a déjà une assistante, c'est normal. Dans la tête des gens, une assistante, c'est une femme. L'assistante lui permet d'aller voir mon collègue à côté, mon bureau, mais en plus, c'est... L'homme représente le chef, il ne faut pas le déranger. Mais il vient frapper à ma porte, elle vient frapper à ma porte. Je fais semblant parce qu'on me l'a fait souvent. Je vous console, je fais semblant de ne pas avoir à travailler. Mais elle assiste. Alors qu'on lui a déjà dit d'aller voir monsieur un tel, je ne suis pas monsieur, mais certainement je suis l'assistante parce que je suis une femme. Donc vous comprenez? Et ce regard-là, c'est tout le temps. Et quand un homme donne un ordre ou quelque chose comme ça, c'est incontestable. Par exemple, il y a une chose que je remarque. Pour les hommes, on dit forcément monsieur. Si c'est une femme, quel que soit même son niveau, on l'appelle tout de suite par son prénom. Ça, c'est des petites choses. Ou bien, on est dans un milieu où on porte des titres. On va donner le titre des hommes, ou même on va les surtitrer alors qu'ils ne portent pas. Et la femme, on va l'appeler madame. Donc, déjà, ça pour juste une lecture assez rapide, mais en plus, il y a d'autres difficultés, comme des coupures de programme, des coupures de financement, un homme s'attaque sur la table, ça essaie d'impressionner en client. On se serait dit, on est dans le milieu intellectuel, c'est pas par la force des muscles ou des cris qu'on gouverne, hein, c'est par la raison. Mais apparemment, peut-être que ça fonctionne un petit peu et que si moi je ne suis pas intimidée, peut-être que ça intimide d'autres et qu'on laisse faire quand même les cris, les coupures de financement de certains projets, les coupures de programmes. Je dirais que peut-être, et vous voyez en plus au Sénégal, on voit, par exemple en sciences sociales, tout le monde sait, que c'est très féminisé, mais vous prenez les grandes universités, je ne vais pas citer de nom, dans une fac de sociologie, sur 17 enseignants-chercheurs, il va y avoir deux femmes. Mais par contre, quand on est vacataire, il y a plein de femmes, parce que c'est les postes à responsabilité, ça commence là, pour rentrer, comme vous dites. Idem, dans notre université, n'y échappe pas, même les facultés de sciences sociales vont compter peu de femmes. Et aussi, pour y rester, il y a parfois des tentatives d'intimidation. Il n'y a rien dans le système pour contrôler cela. On avait commencé au Sénégal à créer des cellules genres. Voilà. Mais je ne sais pas si je pense que chez nous ça existe ou en tout cas c'est en cours. Mais je pense qu'il faudrait quelque chose pour pouvoir... contrôler certaines choses, hein, parce que le harcèlement c'est de toutes les manières possibles. Et quand avant je vous dis, hein, j'ai failli être intimidée au départ. Quand je venais d'arriver, les mêmes tentatives même qui continuent aujourd'hui m'ont intimidée. Je dis oulala, moi j'aime mon travail, je ne veux pas travailler dans cette ambiance ou quelque chose comme ça. Mais heureusement je suis restée parce que c'est pas tout le monde, c'est des minorités, mais pour rien ne contrôle. Et il manque un système pour contrôler ce genre de personnes. Voilà, je pense que c'est un peu ça, qu'il n'y ait pas de harcèlement, qu'on n'intimide pas les femmes, qu'elles puissent travailler normalement, de tout ce qu'a dit Madame Stowe aussi. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Effectivement, le milieu académique est super compliqué pour les femmes, parce que souvent, comme vous l'avez souligné, il n'y a pas forcément un mécanisme de contrôle qui est mis en place. Et comme on peut
pourrait penser que le milieu intellectuel forcément ne fonctionne pas de la même manière, mais si c'est pas tout, pas tout, c'est la même chose, on trouve les mêmes contraintes et les mêmes problèmes. Donc, là j'ai un peu transitionné avec avec Salma encore, et là j'ai encore parlé des mathématiques et de la physique, parce que souvent je pense que c'est des domaines qui font souligner parce que ça fait que oui. Donc tout à l'heure elle nous a fait rêver avec un voyage sur la Lune, moi je peux rien aller sur la Lune. La question que je vais poser, c'est que pour vous, qu'est-ce qui explique cette peur des petites filles? Qu'est-ce qui l'explique? Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Ok, à mon avis, cette peur vient de la manière dont on enseigne. On enseigne les sciences, les mathématiques, la physique ou les sciences naturelles. Parce que quand on parle de sciences physiques, normalement c'est une science expérimentale, avec des expériences. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Avec cette science, c'est rarement qu'on fait ce qu'on appelle la pratique, les travaux pratiques. Parce qu'on n'a pas de laboratoire, ou parfois on a le matériel, mais les gens ne sont pas assez formés pour utiliser le matériel et rendre l'enseignement l'enseignement des sciences beaucoup plus concret. Parce que les filles aiment voir plus concret. Et si c'est très théorique, ça fait peur. Donc il y a cette faute de manque de moyens, mais également on peut contourner. Comment on peut contourner? Actuellement, on est dans ce qu'on appelle l'ère du numérique. Donc, on peut contourner avec l'usage des laboratoires virtuels. Il y a pas mal de ressources sur la toile. Donc, pour rendre les sciences beaucoup plus intéressantes, pour faire disparaître cette peur par rapport à la science, je pense qu'il faut vraiment faire la science avec des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus interactives. Je parlais tout à l'heure de laboratoires virtuels. Avec les laboratoires virtuels, ça devient beaucoup plus interactif et ça devient beaucoup plus attractif. Et cette peur aussi, ça peut venir de la société. Parce que pourquoi ça peut venir de la société? En général, on dit que les mathématiques, bien les sciences sont compliquées, donc les sciences ne sont pas faites pour les femmes, ou bien les filles ne doivent pas s'intéresser à la science. Donc là, il y a aussi la société qui plombe. Donc, pour faire disparaître ce blocage, comme je disais tout à l'heure, il faut des modèles et il faut qu'on montre nos modèles. Voilà. Merci beaucoup, Salma, pour cette intervention. Donc, maintenant, tout à l'heure, Madame Kawesaou a souligné le fait que, comme par exemple, elle était entourée de l'équipement. Au niveau de l'Institut Santé Service. Et effectivement, on voit que en matière de sciences, hein, les femmes sont sous-représentées dans tout ce qui est physique, mathématiques, ce qu'on appelle les sciences les plus abstraites. Parce que souvent, même moi, dans le cadre, je travaille pour un musée. Hein, on disait souvent que les femmes, ou les filles même, elles préfèrent comme si. Pour faire l'enseignement, elle préfère voir des couleurs, etc. Elle, c'est plus dans la pratique. Quoi. C'est comme ça que côté qu'elle peut apprendre des choses. Donc maintenant, concernant le secteur santé, on voit que ce secteur, peut-être c'est parce que c'est un secteur des soins. La femme a tendance à vouloir protéger, à prendre soin d'autres personnes. Donc c'est un secteur, ça c'est une hypothèse, hein, mais c'est un secteur qui souffre moins en matière de la présence des femmes. Mais par contre, la majorité d'entre elles occupent des postes d'infirmières, de sages-femmes. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les amener dans les instances de décision, c'est-à-dire plus directrice d'hôpital, directrice de laboratoire, ou même, comme par exemple, la stratégie ou la gestion de la COVID-19 au Sénégal aurait pu être confiée à une femme. Donc,
comment faire de personne à ce qu'elle puisse atteindre ces instances décisionnelles. Voilà. Donc, depuis des années, les sages-femmes, les infirmiers avaient des diplômes. Ouais. C'était le BFM plus 3 ans. Ensuite, ils sont passés au BAC plus 3 ans. Donc, ils s'arrêtaient vraiment. Tu devenais infirmière, tu ne pouvais pas avancer. Tu as passé en devenant technicienne supérieure. Et ça s'arrêtait là. Mais, bon, là, depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, les gens ont fait des recherches, les gens ont essayé d'améliorer, je veux dire, la formation, dans ce sens où, maintenant, quelqu'un qui avait un diplôme d'infirmière de base peut se retrouver avec un doctorat en sciences infirmières. Parce que quand tu vas en Europe, ça existe. Maintenant, les infirmiers, ils sont dans les universités, ils font leur master, ils vont jusqu'à faire leur PhD. Donc, par rapport à cet exemple-là, je crois que nous, à l'Institution des services, nous sommes inspirés de ça. C'est pour cela que nous sommes allés à l'enseignement supérieur, que nous avons demandé des habilitations pour faire des masters et peut-être être en collaboration avec une université pour que nos étudiants puissent être des doctorants. Parce que quand les infirmiers vont aller dans le sens de la recherche, les biologistes vont aller dans le sens de la recherche, à ce moment-là, nous pourrons avoir des gens qui seront à des niveaux supérieurs. En fait, tout ce qu'il faut, c'est ouvrir la formation à ce que ces gens-là puissent évoluer. C'est ça. Parce qu'en fait, vous voyez, les soins évoluent chaque année. Les soins évoluent chaque année. Aujourd'hui, on peut faire un soin de telle manière. Dans un an, ça a changé. Et nous ne faisons que suivre le monde. Alors que nous avons des gens qui sont là, qui ont des esprits. Nous avons des chercheurs qui sont là. Et ces chercheurs-là, en biologie, pourquoi les jeunes ne peuvent pas suivre ce chemin-là? Tu viens, tu peux commencer par un BTI, c'est-à-dire le niveau du BFM, en analyse biologique. Tu le continues, tu fais un BTS, tu finis ton BTS, tu fais ta licence, tu fais ton master. Tu peux aller plus loin. Et puis ça aide les jeunes. Donc nous, c'est dans cette perspective-là que nous avons vraiment changé de paradigme. Et nous sommes allés nous aller à l'enseignement supérieur pour que nos élèves puissent évoluer et avoir ces postes de responsabilité. Dans la COVID, il y a des femmes, mais elles ne sont pas visibles. En fait, mais si vous voyez bien, la COVID, la base, c'est les infirmiers, en fait. C'est eux qui sont au milieu de la lutte. C'est eux qui sont les gens de l'UE. Les médecins sont là, mais c'est les infirmiers. Les infirmières, ils sont là, en plein milieu de la lutte. Donc, c'est eux qui luttent pour la COVID. Mais comme je dis, bon, on ne les voit pas. On voit que ceux qui sont en haut, c'est ça, en fait. Mais nous les encourageons à continuer les études. Moi, j'ai un de mes agents qui a commencé à intervenir et qui a pu avoir une bourse pour aller faire un doctorat, un PhD au Canada en sciences infirmières. Et elle est revenue actuellement parce qu'elle n'a pas encore soutenu, mais elle est revenue en attendant de soutenir. Et elle est chez moi. Elle m'a rapporté des choses qu'elle a apprises au niveau du Canada. Et donc moi, je ne vois pas pourquoi nous, en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas évoluer dans ce sens. Voilà. De la COVID, etc. Mais dans l'article que j'ai lu, des pays comme, ou je veux dire même des continents comme l'Europe, ils ont commandé des milliards de doses de vaccins. Et c'est la même chose pour les États-Unis. Donc en Afrique, peut-être on risque d'avoir un stock disponible en 2024. Donc ce qui fait que, franchement, il faudrait pouvoir développer cette recherche locale, où personne à ne pas dépendre, surtout dans ces cas de force majeure, sur des puissances qui souvent vont mettre leurs intérêts en premier. Donc maintenant, en matière de... Je vais revenir sur le milieu académique, parce que j'ai parlé du leadership féminin dans ce
Parce que ce qui se passe aussi, c'est que je pense que dans ce milieu, les femmes pourraient s'entraider peut-être un peu plus. Et la question que je posais par rapport à ça, c'est comment développer ce phénomène de sorte de consororité, ou même une sorte de fraternité, ou je dirais solidarité entre les femmes, pour s'entraider et relever tout ce qui est challenge et les problèmes liés au genre dans le milieu scientifique. Merci beaucoup, Hadi, de me poser des questions sur ce concept que j'adore, la consororité, de soror en latin qui veut dire sœur et qui est l'équivalent de la fraternité, hein, les frères ensemble, là, les sœurs ensemble. Je vais évidemment te dire que c'est pas facile. Vous savez, l'histoire du genre est dans l'histoire du dominant du monde. C'est l'histoire du blanc, du noir, ainsi de suite. Vous allez en France, par exemple, vous allez à un marché où vous trouvez un frère ou une sœur noire, faites vos prières, vous aurez plus de problèmes. Hein? Ça, c'est pour dire que les minorités ont du mal à s'entraider. Et il y a un véritable travail en leadership à faire pour qu'ils y arrivent. Vous savez, il y a en Mauritanie, la Mauritanie fait partie de l'un des derniers pays à libérer les esclaves. Et quand ils ont essayé de les libérer dans les années 70, à un moment, certains esclaves sont revenus pour dire qu'elles voulaient encore être sous l'esclavage, parce que c'est pas facile d'être libre. Je suis désolée, les femmes, de faire cette comparaison, mais c'est ça. On doit faire l'éloge de la soumission. C'est pas facile. Moi, je suis très têtue. Hein. La consororité, ben, je vais continuer. Je vais avoir une déception, je continuerai. Parce que je crois aux gens, au leadership féminin, il faut continuer à travailler ça. Quand on travaille avec des femmes, quand on tend la main, quand c'est un homme qui tend la main, la femme va vous remercier elle, fois ou autre. Mais quand c'est une femme qui tend la main, elle va vite essayer d'oublier très vite, ou même dès qu'elle est, peut-être c'est le milieu qui est comme ça, peut-être que même entre les hommes ça se passe comme ça, qu'on le sait moins, mais en tout cas aussi qui savent développer la confraternité. Ça aussi, nous on a appris. Nous, la patrie des femmes, on a été, si on est dans le ménage, à aider dans le travail domestique à côté de maman, quand on est plus jeune. Les femmes, les hommes sont dehors à jouer au foot. Des jeux violents où on est obligé quand même de coopérer. Des jeux liquides. Son camarade tombe, peut-être même qu'on a fait tomber, hein, mais on va y foyer et puis on fait lever, on s'accolade, on continue. Hein, donc, ce que j'appelle la compétition, coopérer en compétition en même temps. Et ça, les femmes ont plus de mal à faire, mais ce n'est pas simplement qu'elles sont des femmes, mais c'est toutes les minorités. Elles sont minoritaires dans le milieu académique, donc peut-être pour avoir plus d'alliés, leur stratégie, c'est peut-être plus facilement d'aller vers les hommes, ou au lieu de regarder peut-être des femmes comme des collègues avec qui on peut travailler, peut-être ont plus de mal, vont regarder autre chose, des histoires de petites jalousies ou des choses comme ça, que dans un milieu intellectuel, que les femmes, les leaders de façon à dépasser pour se souder, pour pouvoir avoir conquérir de la place. C'est le seul moyen, moi, je trouve. Parce que, en plus, ça, les hommes le savent tellement bien qu'elles trouver deux personnes qui s'entendent bien et ils savent très bien comment et c'est facile. Si c'était pas facile, ils n'essaieraient jamais. Hein? Ça, c'est pour la consororité mais c'est une stratégie aussi. C'est vrai qu'elles ont plus facilement des alliés hommes, il y en a plus que d'avoir les femmes sont minoritaires, donc elles auraient moins d'alliés si elles essayent trop de se mettre entre sœurs. Peut-être c'est un défi à relever si elles veulent qu'il y ait plus de femmes qui rentrent,
Mais si on n'est pas têtu qu'à la première déception ou deuxième déception, on laisse tomber, on dit on ne va plus travailler les femmes, ça n'a plus que des problèmes, après on n'y arrive plus. L'autre concept que je vais dire rapidement, c'est la mulierité, qui est aussi l'équivalent de la virilité. C'est tout cela. Il y a, quand vous voulez dire que j'ai des efforts positifs pour me construire, qu'est-ce que vous dites en Hollande? Go-go. Alors que si on crue même le Atalia, si on veut un fort, on dit ne goré. Et alors, si, alors que si on dit féminin, c'est toujours quelque chose de dévalorisant. Hein, donc les féministes ont aussi essayé, comme la consororité, de forger ce concept de mulierité qui veut désigner quelque chose, l'équivalent de gogol, quelque chose qui construit, hein, que l'on peut construire avec, à travers la consororité de façon positive. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, dire que pour y arriver à la consororité, garder sa place, donner ta place aux femmes, il faut savoir dépasser certaines petites choses. Et juste un petit exemple aussi, c'est que c'est fréquent aussi dans les relations entre femmes, au travail, parfois ça peut être complexe. On voit rarement entre les hommes quelqu'un qui est un chef, l'autre qui est en dessous, qui dit go la commune. Vous voyez? Alors que les femmes vont oublier la hiérarchie entre femmes. Et ça aussi, ça n'aide pas à se souder, parce qu'on est dans des institutions et dans le monde hiérarchisé. Et donc, ça peut amener des confusions. Ici, au Sénégal, au tribunal du travail, un jour, ça vient amener des problèmes. Et peut-être même ça aussi, on peut l'analyser à plusieurs niveaux, mais ça aurait pu être géré autrement. Mais il est arrivé qu'une magistrate mette son assistant littéralement en prison, parce qu'elle remettait tout le temps en cause ses décisions au tribunal, parce qu'elle était assistante depuis longtemps, elle savait peut-être comment ça fonctionne, et une fois, elle était très en colère, elle la met en garde, et elle sort de son bureau, elle la voit en train de parler à un autre magistrat en train de remettre en cause la décision. Et elle a pris cette décision-là. Mais là encore, parlant de genre, elle aurait pu éviter mon frère, si je me suis dit, moi, si moi, en tant qu'homme, je l'aurais mis au placard, l'invisibilisé, plutôt que de... Parce que finalement, tout le monde s'est retourné contre elle et tout, et pourtant, elle luttait pour quelque chose d'assez juste, pour... voilà, je m'arrête là, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Absa, et merci à tout le monde. Donc, avant de laisser au public le soin de poser une question, ce que je veux dire, c'est par rapport à l'actualité. Donc, et pour revenir sur le potentiel de leadership des femmes. Donc, parce que comme vous le savez, les pays qui ont le plus géré les problèmes liés au Covid sont les pays qui sont dirigés par des femmes. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est juste pour en matière de potentiel. Donc et le fait que la femme a pouvoir apporter un milieu scientifique et technique. Donc maintenant, je vais laisser la parole au public. Donc si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser. Et donc on va y répondre. Bonjour, merci Raël. Je vous remercie, je vous félicite pour ce panel. Vous avez bien fait de commencer par celui-ci. Sur les femmes. Peut-être jeter un petit caillou derrière moi. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans la salle. Hein? Comme d'habitude. On n'a même pas pris le soin d'applaudir vraiment ces femmes qui sont là et qui ont développé des choses très, très intéressantes. Vraiment, et même des applaudissements.
différence entre le rôle de l'infirmière, et un doctorat, et du médecin qui a un associé à un doctorat. Merci. Oui, si vous pouvez poser vos questions et après ma réponse. Merci beaucoup, Dami. Bonjour à tous. Je vais d'abord vous remercier et vous féliciter en même temps. Ali, Dr. Hamza, Dr. Salma, Dr. Kori, voilà. Voilà pour d'abord vraiment la qualité de vos prestations. Et ensuite, peut-être faire une contribution dans le discours de Absalé Salma. Voilà. Donc, quand elle parle un peu de. En fait, du stéréotype qui est proposé à la femme par rapport à sa qualité, à son profil. Bon, je vais raconter vos carnivores, etc. Donc, ce n'est pas en fait, pour donner un caractère plus ou moins agressif à l'endroit de la femme, mais plutôt montrer que la femme souvent est symbole d'une délicatesse, d'une souplesse, d'une mollesse, donc qui se fait sentir même au niveau de son savoir-faire. Donc la douceur, comme on a l'habitude de dire, particularise plus ou moins la femme. Donc pour moi, en fait, le fait de dire me courir ou bien donner un caractère plus ou moins rigide à l'homme ne veut pas implicitement dire le contraire chez la femme. Donc c'est plutôt, le respect est toujours là. Les qualités de la femme restent telles qu'elles sont. Donc tant qu'on ne peut pas les valoriser, on ne va pas passer outre. Voilà, je vous remercie. Une autre personne vous pose une question. Voilà, merci. Donc, j'ai des félicitations à ces dames qui ont eu l'excellente grande valeur de compétences. Et ma question est la suivante. Tout à l'heure, vous avez parlé de leadership féminin. Donc, moi, je voulais juste savoir entre l'homme et la femme, qui est plus habilité à gérer, à diriger et à être plus loin et à la perfection. Merci. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour cette brillante, pour ces explications en tout cas, et c'est vraiment. Une fierté pour nous de voir des dames devant nous donner des conseils sur la science. Maintenant, je voulais savoir en quoi la science peut freiner la femme. Parce que quand on parle de science, on pense automatiquement aux hommes. Est-ce que la science peut freiner la femme? Donc, je parle dans tous les côtés, dans tous les plans. Thank you.
savez, les sciences infirmières, c'est des sciences, c'est des soins infirmiers. Donc les soins infirmiers, d'habitude, même les médecins, ils ne le font pas, ils ne veulent pas le faire. Donc, c'est ça, le médecin, il a sa spécialité. Il est allé, il est médecin soit généraliste, ou bien il s'est spécialisé dans un domaine d'ADS quelque part. Donc, il ne travaille que dans ça. Mais celui, la personne, l'infirmier qui fait les soins infirmiers, il fait les soins infirmiers pour toutes les spécialités. Donc, dans ces soins infirmiers, il y a des changements, il y a des développements, il y a des recherches qui sont faites par des gens, des docteurs en sciences infirmières, qui font des recherches en soins infirmiers. Donc, c'est ça la différence. Le médecin, il fait son diagnostic, mais tout ce qui est exécution, tout ce qui est pratique, c'est l'infirmier qui le fait. Donc, celui qui a la science infirmière, il peut trouver une... vous savez, souvent dans la manière de faire les soins, il y a des changements, il y a des évolutions. C'est-à-dire que la manière dont on faisait les pansements il y a X années est différente de la manière dont on fait les pansements maintenant. Parce qu'il y a eu des recherches, il y a eu des changements, il y a eu des produits que les sciences ont amenés, que d'autres scientifiques ont pu trouver et mettre sur le marché. Et il faut les exécuter. Il y a les machines, les appareils. Les appareils, la plupart du temps, ce sont les infirmiers qui s'en occupent. Ils font certaines choses, pas toutes les pratiques, parce qu'il y a des choses qui sont pour le médecin. Et il y a des machines, comme par exemple, quand tu vas en gastro, l'endoscopie, celui qui prépare la machine, c'est un infirmier. Le médecin ne vient que pour faire l'acte. Mais tout ce qui est préparation, entretien de la machine, c'est l'infirmier qui le fait. Et si l'infirmier ne se connaît pas, n'a pas appris, il ne pourra pas faire. Donc, et tout ça, ça évolue. Les machines évoluent. Nous avons maintenant des machines en laser et tout. Donc, il faut que ces recherches-là, que les infirmiers puissent faire des recherches et aller à ce niveau de doctorat, parce qu'un docteur en sciences infirmières n'a rien à voir avec un docteur en médecine. Le docteur en médecine n'a rien à voir avec le docteur en... Parce que le docteur en sciences infirmières, c'est un doctorat de recherche. Alors que le doctorat en médecine, c'est un doctorat d'exercice. Mm-hmm. Vous avez compris. Donc c'est ça la différence. Maintenant, je vais faire le soin de répondre aussi. Parce que je pense que peut-être les deux questions sont similaires plus ou moins, parce qu'elle a posé à quoi la science peut freiner la parole. Donc peut-être on a parlé plus ou moins des difficultés par rapport au mal. Et lui, il a posé la question par rapport à les femmes étant plus créatives, etc. Donc, et lui qui fait une série technique, il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire aussi pour les encourager à plus embrasser ce secteur? Donc, là, je vais laisser le soin de... Oui, ok. Donc, pour la première question concernant comment la science peut freiner la femme. Je dirais que ça, c'est un problème de société, de mentalité. Parce que quand on parle de femme scientifique, donc c'est une femme qui doit faire de longues études. Et dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on dit? La femme ne doit pas faire de longues études parce que la place de la femme, c'est au foyer, avoir un mari, faire des enfants. Donc la société en général appelle le succès de la femme, ce que je viens de citer. Or, moi, je dis que l'un n'exclut pas l'autre. On peut bien réussir une carrière scientifique et avoir aussi sa vie professionnelle, sa vie de famille. L'essentiel, je dirais, à l'endroit des femmes, comme la société dit que le succès, c'est un mari, c'est les enfants, donc il faut savoir choisir son mari. Il faut savoir vraiment choisir un mari qui te comprend et qui te soutient à aller à l'endroit où tu veux, qui te soutient à faire une brillante carrière scientifique. Oui. Concernant l'autre question, donc je vais plutôt parler toujours des programmes qui ciblent les femmes pour les motiver. Je donne un exemple récemment. J'avais un ami béninois, on discutait, donc il travaille dans une société qui
œuvrent dans le numérique. Et dans leur société, ils me disaient que ils font la promotion de la femme. Donc, dans cette société, il y a plus de femmes que d'hommes. Et je pense que ces genres d'initiatives doivent être encouragées, parce que si on a des sociétés qui motivent dans le numérique, des sociétés qui motivent dans les mathématiques, dans la physique, donc en fin de compte, on va finir par avoir plus de femmes dans les sciences. Vraiment que les filles rentrent dans les sciences.
peu du monde, c'est vrai qu'il y a des hommes, mais quand les filles, elles arrivent, hein, elles sont courageuses. Hein. Souvent, ce sont les meilleures. Donc, il faut qu'elles aient le courage, qu'elles n'aient pas peur des maths, qu'elles n'aient pas peur de la physique, de la chimie, qu'elles sachent que ce sont des sciences qu'elles peuvent apprendre. Et puis, voilà, elles peuvent y arriver, quoi, c'est ça. Je leur donne vraiment, je leur dis de prendre de bon courage et puis de s'orienter vers les services scientifiques. Mais ce n'est pas impossible, elles peuvent y arriver. Merci. Et moi, je leur dirais que la science, c'est d'abord un monde d'opportunités. Et comme Mme Bagnan l'a dit tout à l'heure, quand elles choisissent les sciences, elles ne seront pas seules dans leurs aventures. Parce qu'il y a pas mal de programmes. Je veux citer le programme de l'Organisation pour les femmes en sciences pour les pays en développement. Donc, ils ont un programme très intéressant qui cible les filles, qui cible les femmes dans les sciences. Donc, ils ont des programmes du niveau de master ou bien de doctorat. Et aussi, un programme pour les femmes en début de carrière. Et pour citer le cas du Sénégal, il y avait aussi l'initiative du PAPES. Oui, le projet d'appui pour la promotion des enseignants-chercheurs. Donc, je les encourage à choisir les sciences et de découvrir ce monde d'opportunités. Et je dis aussi à nos décideurs d'offrir à nos filles, à nos femmes, cette opportunité de pouvoir faire la science, de pouvoir exceller en science. Et je termine par cette citation de l'UNESCO, Auréal, qui dit quoi? Le monde a besoin de science, mais la science a aussi besoin de femmes. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, moi, je dirais simplement de croire et de ne laisser personne vous intimider au point de ne plus croire en vous. Ça ne sera pas facile. Quand vous croyez en vous, vous allez voir toujours quelqu'un, par exemple, vous êtes quelqu'un qui est très motivé, parce que j'allais parler de motivation aussi. Hein, parce que, comme l'a dit Madame Badiane, parce que votre épanouissement, c'est important. En tout, même les femmes qui restent à la maison garder leurs enfants, on leur conseille parfois de les donner à quelqu'un, de sortir, s'épanouir et revenir pour passer le meilleur moment avec leurs enfants. Hein? Voilà, vous en valez bien beaucoup. Hein? Vous êtes aussi importante. Il y a Fatou Sow du CNRS, de l'ICAD, pas Fatou Sow, Fatou Sow, je dis bien la différence, qui disait qu'une fois, elle avait été affectée à c'est pas aux États-Unis, elle parle anglais, mais pour elle, elle ne parle pas suffisamment anglais. Et son mari, comme Salma disait, il faut bien choisir son mari, disait, lui dit, pourquoi tu te poses cette question? Ça, moi, je ne me serais jamais posé cette question. En général, les hommes ne se posent pas cette question. Ils vont y aller dire, je le vaux bien et tu connais. Mais justement, en parlant de compétences pour compléter, les femmes veulent même être vraiment, sont très perfectionnistes en général. Voilà, mais par exemple, quand vous allez montrer votre motivation, votre truc, quelqu'un, au lieu de dire, ah, vous êtes motivé, le nommez bien, on va vous dire que vous êtes zélé. Hein, de quoi vous raplatir un tout petit peu. C'est des petites remarques comme ça qu'il ne faut pas accepter. Croire en vous, restez droit dans vos baskets et continuez à regarder là où vous avez envie d'aller et d'y aller tout simplement. Voilà. Moi, je vais conclure par les remercier déjà. Donc ça, aujourd'hui, vous avez vu des femmes qui sont des femmes en elles et qui sont des femmes qui sont des exemples de réussite. Et donc, elles sont là pour vous démontrer que c'est possible. Donc, je terminais par dire, pour résumer ce qu'ils ont dit avant, donc pour y aller, il faut que je me sois. Je vais faire référence à Gourou Djigé Djigé.
pouvoir me dire. Merci beaucoup.